Bienvenue à tous et à toutes dans les podcasts audio de l'Université Interage de Versailles. Pour cette quatrième édition, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir la conférence Hatshepsut, une femme de pouvoir aux mains de velours. Cette conférence s'était tenue dans l'auditorium de l'université le 4 mai 2011. Elle est extraite du cycle « Femmes célèbres de l'Antiquité entre mythe et réalité ». Ce cycle avait été présenté par M. Henri Lauffey, docteur en égyptologie à l'École pratique des hautes études. Afin d'étayer ou appuyer ses propos, ce dernier avait projeté divers documents iconographiques dans l'auditorium. Les indications de l'intervenant permettent d'en retrouver certains sur Internet. En vous souhaitant à tous et toutes une bonne écoute. Dès sa première année de co-régence, Hatshepsut est toujours et systématiquement représentée en compagnie du jeune roi, dont on lui a confié la charge, et elle porte le titre de reine et de grande épouse royale de Thoutmès II, et non pas de Thoutmès III. Thoutmès III, c'est son beau-fils. Hein, d'accord. Donc, elle garde ses titres, hein, comme si elle avait été, en fin de compte, comme si elle était toujours mariée avec Thoutmès II. Hein. Et ça, c'est très, très important. Alors, voici des différents blocs. Alors, ça, c'est dans le temple de Karnak, c'est dans la chapelle d'Hatshepsut. Et ça vous représente... Alors, Hatshepsut, évidemment, a été totalement effacée ici, mais croyez-moi sur parole, c'est elle. Hein, ces cartouches sont ici. Hein. Et là, vous avez le dieu Thoth, et là, vous avez ici le dieu Horus. Alors, attention, hein, c'est Horus, le fils d'Osiris, hein, celui-ci. Hein, l'Horus roi. Hein, et qui sont en train de baptiser, si vous voulez, introniser la reine Hatshepsut dans sa chapelle qui se trouve à côté de la chapelle de Philippe Arithrée à Karnak. Et je vous disais donc que la reine était toujours accompagnée du roi. Hein, et bien là, sur les blocs, ce sont des blocs de la chapelle rouge du temple de chapelle rouge de Karnak. Et bien, vous avez ici Maat Karé, hein, et ici, par exemple, vous voyez, ici, Menreperre, et bien ici, c'est Thoutmès III. Et tout le temps, sur tous les monuments, quels qu'ils soient, la reine est toujours accompagnée du roi, Thoutmès III, toujours, hein, toujours, toujours. De fait, nous savons qu'Hatshepsut n'a jamais eu de date de règne personnelle, jamais. Depuis le début de la co-régence, ce sont les dates correspondantes au règne de Thoutmès III qui servent à compter les années de son règne, c'est-à-dire que la première année de sa co-régence jusqu'à la 21e, puisque la 21e, c'est Thoutmès III qui va prendre littéralement le pouvoir, mais là, il va avoir 22, 23 ans, vous voyez. Hein. Eh bien, entre ces dates-là, ces dates recouvrent le même compute pour les années de co-régence de règne, co-régence et de règne de notre règne. Elle n'établit donc aucun calendrier personnel de son soi-disant règne. Je dis bien soi-disant. Il n'existe aucun document daté au nom du seul nom d'Hatshepsut. Aucun. Si vous m'en trouvez un, vous me l'apportez. Hein. Toutefois, il est clair que la reine précède quasiment toujours Thoutmès III durant la co-régence, après la deuxième année de co-régence. Mais celui-ci n'est pas omis pour autant. Il n'est même nullement amoindri. Il porte les mêmes titres et les mêmes attributs qu'Hatshepsut. Alors, je vais vous faire voir. Alors, voilà encore, vous voyez, vous avez ici, là-bas, ça, c'est Hatshepsut. C'est toujours les blocs de la chapelle rouge, hein, c'est ça. Hein. Et ici, Menreperre, c'est Thoutmès III. Voilà. En voici encore un autre. Voilà. Alors là, c'est encore Hatshepsut. Et là, c'est Thoutmès III derrière, vous voyez, ils ont exactement la même taille, exactement les mêmes attributs, exactement le même pagne, exactement le même bâton, enfin vraiment c'est calqué, hein. Voilà encore, pareil, ici, les deux, devant la barque processionnelle sacrée d'Amon, hein, que vous avez là, hein. Toujours, toujours, toujours. Et
pour vous en donner une preuve encore plus flagrante, si vous voulez, eh bien, je vous ai sorti ce texte ici, qui est un texte qui, là encore, se trouve dans le temple de Deir al-Bahari. Quand vous êtes devant le temple, en face du temple, c'est dans les chapelles de droite, en bas. Hein. Et là, vous aviez tout un texte d'intronisation, comme ceci, où, ici, à droite, vous avez donc le texte de Toutmès III, que vous avez là, et ici, vous aviez tout le texte d'Hatchepsut, qui, malheureusement, a été, évidemment, par la suite, effacé. Hein, d'accord. Ça vous prouve d'une façon absolument certaine que durant la corrégence, Hatshepsut n'a jamais mis sous le boisseau, si vous voulez, hein, le petit garçon dont elle avait la charge. Hein. Donc ça, c'est un monument très très important pour la connaissance de cette reine Hatshepsut. Alors, la date du début de cette corrégence nous est confirmée par un texte daté de l'an 2 du règne de Toutmès III, le 29e jour du deuxième mois de la germination, soit entre le 15 décembre et le 15 janvier de 1477, toujours. Les textes nous apprennent que cette intronisation dans la corrégence, et là je cite, « se fit par la voix d'Amon ». Et avec l'assentiment et le soutien de plusieurs hauts dignitaires du royaume, dont Senmut, que vous avez ici, hein, Senmut dont on reparlera. Et là, vous voyez, il a sur ses genoux la petite fille d'Hatshepsut, hein, Néferouré, dont on a déjà parlé tout à l'heure, hein, puisque c'est elle qui va prendre les titres et les fonctions de sa maman quand elle va prendre la corrégence. Hein, donc Senmut. Et un autre personnage que vous connaissez peut-être un peu moins, mais qui est d'une importance capitale, c'est Apuseneb. Alors, Apuseneb, c'est le grand architecte, c'est le grand confident, c'est un personnage vraiment très, très important du règne d'Hatshepsut. Hein, et Apuseneb, ben, on va le retrouver à plusieurs reprises. Le voici dans un style un petit peu, disons, entre deux âges. Et Apuseneb, le voici un peu plus âgé, si vous voulez, vieillissant. Hein. Et sachez que Apuseneb a tellement été important dans le règne, non seulement d'Hatshepsut, mais aussi de Toutmès III, qu'il va être divinisé de son vivant. Et il va, on connaît, hein, c'est Toutmès III qui va lui faire construire les temples à son culte. Il va y en avoir un, justement, juste à côté du temple funéraire de Toutmès III à Thèbes-Ouest, donc de la vallée des rois, hein, vers la vallée des rois, et il y en aura un autre, par exemple, à Éléphantine, dans l'île d'Éléphantine. Donc un personnage très, très important, et qui a donc dont la carrière a perduré, non seulement sous Hatshepsut, mais aussi sous Toutmès III. Hein. Apuseneb, alors je vous ai fait voir les gars, et le clergé d'Amon de Karnak dans son ensemble. Donc vous voyez, elle a été véritablement portée par toute la classe dirigeante de l'Égypte ancienne à ce moment. C'est à ce moment-là, donc en l'an 2, qu'elle prend le nom de Maat Kare, c'est-à-dire Maat est le cas de Ré, c'est-à-dire la force, la puissance hein, de Ré. Hein. Voici que ce que nous déclare par exemple un très grand personnage aussi de ces mêmes règnes, Inéni, alors qu'il était très âgé, grand commis du roi Toutmès II, et voici ce qu'il nous dit. Toutmès II monta au ciel et s'unit aux dieux. C'est la formule habituelle depuis les textes des pyramides, lorsque le roi meurt. Hein, il décède, donc on dit qu'il s'envole vers le ciel et il décède. Alors son fils, Toutmès III, se trouva installé à sa place comme roi des deux terres et régna sur le trône de celui qui l'avait engendré, tandis que sa sœur, c'est-à-dire Hatshepsut, sa sœur épouse, l'épouse du dieu Hatshepsut, s'occupait des affaires du pays. Les deux terres étant sous son gouvernement, on accepta son autorité, c'est Inéni qui le dit, hein, c'est pas moi, hein, la vallée étant alors totalement soumise.
à son rogne, à son ordre. Or, si Thoutmès III était vraiment un tout petit enfant lors de son avènement, il est tout à fait normal que la reine, car reine elle était mariée à Thoutmès III, ne l'oubliez pas, Thoutmès II, pardon, ne l'oubliez pas, ait dû prendre toutes les initiatives et endosser toutes les responsabilités étatiques à sa place. Il était bien trop petit, pour petit bonhomme, hein. 2 ans, 2 ans et demi, il ne pouvait pas diriger le royaume seul. Alors voilà encore un pouce célèbre, vieillissant. Non. Alors, donc, ceci étant dit, on va maintenant voir un petit peu ce que cette reine extraordinaire a bien pu faire en Égypte. Ben, elle en a fait des choses, vous savez, vous allez voir, à commencer par ses palais, qui malheureusement ne sont plus connus, puisque tout a été arasé. Mais nous savons par exemple qu'elle fit construire plusieurs palais à Karnak même, c'est-à-dire à côté et dans le temple de Karnak même, d'Amon, dont on connaît au moins l'un des noms, puisqu'elle l'avait fait appeler, vous savez que tous les palais avaient des noms bien particuliers, et elle l'avait fait appeler ce palais qui se trouvait donc dans l'enceinte même du temple de Karnak, « Je ne m'éloignerai pas de lui », c'est-à-dire d'Amon. C'est-à-dire, elle avait une grande dévotion à Amon, et elle avait aussi une très très grande dévotion à Hathor, à la déesse Hathor. Alors, ça, ce sont ces palais, mais il y a eu aussi une foule de monuments ou travaux religieux, et je veux vous en faire voir quelques-uns comme ceci. Alors, le premier, eh bien, se trouve en Moyenne-Égypte. Vous voyez où est la Moyenne-Égypte? C'était autour de Assiout, autour de Tel el Amarna, Beni Hassan, Hachmonaïm, tout ça. Et là, elle va faire construire à Beni Hassan, exactement, ce que l'on appelle le Speos Artemidos, avec son fameux discours d'Amon, à son intention, à elle, évidemment. Et je vous fais voir ce spéos que vous avez là. D'ailleurs, ça a été pris un petit peu vers la fin de la journée, parce que c'est bien souvent vers la fin de la journée, malheureusement, qu'on accède à ces lieux, après avoir vu les tombes de Beni Hassan, les fameuses tombes du Moyen-Empire de Beni Hassan. Et voici donc ce spéos que vous avez là, qui est absolument extraordinaire. Et je vais vous faire voir l'intérieur, le voici. On entre évidemment par ici, vous avez une salle à colonnes comme ceci, et puis le Saint des Saints qui est ici avec là la niche où était, où, avec trois statues, où étaient donc les diverses divinités, dont évidemment Amon au milieu ici. Ce petit temple dédié dans son ensemble à la déesse Lyonne Chat Paquette, c'est-à-dire la déchireuse, et l'emplacement de ce temple est très important. Vous voyez, il est complètement dans un wadi, dans une vallée, comme ça, dans un wed. Tout simplement parce que la déesse Paquette, qui tantôt est une déesse lionne, tantôt est une déesse chatte. Vous voyez, comme Serkmet, exactement la même chose. Eh bien, cette déesse, c'est celle qui, après les orages, avait le pouvoir de lancer dans les wadis des collines bordant la vallée du Nil, des torrents d'eau dévastateurs qui emportaient tous sur leur passage. Mais, sous sa forme de grande de magie, elle est l'une des déesses personnifiant le pouvoir politique de Pharaon, et qui plus est, lorsque on arrive à la calmer, eh bien, plutôt que d'emporter tout sur son passage, eh bien, dans les ouadis et de tout détruire, eh bien, elle l'arrête, elle calme justement, elle a la possibilité de calmer les eaux et de ne pas ravager justement tout ce qui se trouve en contrebas. Je vous signale que ce petit temple que vous avez là devant vous est le tout premier temple spéos, c'est-à-dire creusé à même dans la montagne, de l'Égypte pharaonique. C'est le premier temple construit comme ceci à l'intérieur d'une montagne, enfin d'une falaise en l'occurrence, mais enfin une montagne. Donc c'est le premier. Vous en connaissez bien d'autres, je suppose que Abou Simbel vous effleure l'esprit avec les temples de Ramsès II et Néfertari. Mais il y en a bien d'autres. Pensez, celui qui en a le plus construit, d'ailleurs, c'est Ramsès II. Il en a construit plusieurs. On lui en connaît au moins 5 ou 6.
L'Iliaté est un grand constructeur de temples spéos, comme ça, à l'intérieur des montagnes. Hein. Il y a Beit El Wadi, il y a, enfin bon, Gersusen, il y a plein, sous Ramsès II, il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas que lui. Toutmès III, par exemple, au Soudan, va construire un spéos à Toshka, par exemple. Hein, et voilà. Mais le premier temple spéos de toute l'histoire égyptienne, c'est Hatshepsut qui va le faire construire, le faire creuser, là, ici, à Beni Hassan. Donc, vous voyez l'importance de ce temple. Alors, je vous refais voir le plan intérieur. Hein. Il n'est pas grand, hein, je vous le dis là tout de suite, c'est pas un temple, c'est peut-être un tiers du temple d'Abou Simbel, par exemple. Vous voyez, c'est petit. Hein. Enfin, c'est le premier. Hein, et c'est elle qui a eu l'idée de prendre, justement, de se servir de la colline pour creuser à l'intérieur ce type de temple. Alors dans cette région, c'est-à-dire dans la région de Moyenne-Égypte, la reine restaure de nombreux temples détruits ou tombés en ruine après, évidemment, l'occupation des Hyksos, parce qu'on n'est pas très loin, vous savez, les fameux asiatiques qui avaient conquis l'Égypte, au moins le nord de l'Égypte, le delta, hein, et qui avaient causé quand même pas mal de dégâts, puisque les temples égyptiens n'avaient plus été entretenus à partir de cette époque-là, 1730 hein, à peu près, hein, 1730 avant Jésus-Christ. Alors, elle fait restaurer les temples de Kuzé, d'Ashmunaim, d'Ebenou, d'Héraclès, etc., etc. Voici d'ailleurs ce qu'elle déclare dans cette longue inscription du Spéos Artemidos, que vous avez là devant les yeux. Voilà voici ce qu'elle déclare. J'ai fait cela de ma propre initiative. Je ne me suis pas endormi dans la négligence. J'ai restauré ce qui était en ruine. J'ai relevé ce qui était écroulé depuis l'époque des Ahamou, c'est-à-dire les Hyksos, hein, depuis l'époque où les Ahamou étaient dans Avaris, à l'intérieur du delta, et au milieu d'eux, des bandes errantes de voyous renversant ce qui avait été fait. La reine, ce qui est curieux aussi, oui, c'est ça aussi, c'est très, très amusant. La reine emploie ici la première personne du singulier, ce qui est excessivement rarissime dans les textes égyptiens émanant de Pharaon. Le Pharaon emploie toujours la troisième personne. Toujours. Hein. Sa majesté, ma majesté. Hein. Ma majesté a fait ceci. Mais jamais le jeu. Jamais. Et là encore, dans toute l'histoire de l'Égypte ancienne, ce sera Hatshepsut qui emploiera pour la première fois dans les textes le pronom personnel, la première personne du singulier. Je. Donc, vous voyez, alors, c'est quand même un peu embêtant que je n'ai pas assez de lumière quand même. J'aimerais bien avoir une petite lampe, ce serait bien. Où est-ce que j'en suis? Alors, elle continue. Alors, il gouvernait, et, voilà, il gouvernait sans Ré et lui, c'était Hermon, il n'agissait plus selon un commandement divin jusqu'à ce qu'on soit sous le règne de ma majesté. Ah oui, une petite lampe, ça me serait bien utile parce que là, j'avoue que je peine. Hein. Je suis désolé. Je peine beaucoup. Avec les petites urgences de tout à l'heure. Ouais, bah oui, je comprends. Mais ça serait... Là, j'avoue que... Ça va aller mieux avec ça. Ouais. Voilà. Oh, formidable. Voilà. Voilà, moins sensationnel, extraordinaire. Splendide. Admirable. Parfait. Plus que parfait, mais du subjonctif seulement. Hein. Alors, du coup, je ne sais plus où j'en suis, mais enfin, ça ne fait rien. Alors donc, les dieux n'agissaient plus selon un commandement divin jusqu'à ce qu'on soit sous le règne de ma majesté. Vous voyez, de ma majesté. Fermement établi sur le trône de Ré, j'ai été proclamé pour une longue période d'années, celle qui est née pour régner, étant maintenant l'Horus. Alors là aussi, c'est extraordinaire parce que l'Horus, qui se dit Bik en égyptien ancien, au masculin, se met au féminin Biket. Biquette, hein. Bon, c'est pas la petite chèvre, mais c'est Biquette, c'est comme ça. Eh bien, là encore, la reine emploie le féminin, elle n'emploie pas le masculin, elle emploie le terme l'orus femelle, Biquette. Hein. Unique, bien entendu,
tandis que l'Uræus lance le feu contre mes ennemis. J'ai écarté ce que les dieux ont en abomination sur terre, et la terre a emporté l'empreinte de leurs pas, c'est-à-dire les pas des Hyksos, des Asiatiques qui avaient conquis l'Égypte et qui s'y étaient installés, donc dans le nord-nord-est de du delta. Alors, elle fait ériger le troisième pylône, dont les blocs mis au jour dans divers monuments du temple de Karnak sont aujourd'hui conservés au musée du Caire. Malheureusement, il ne reste rien sur place. Ne cherchez pas le troisième pylône de Karnak, d'Hatshepsut, vous ne le retrouverez pas. Il a complètement été démoli par Thoutmès III, d'ailleurs, hein, qui s'en est resservi pour faire ses pylônes et ses monuments. Hein. Par contre, voilà, hein, je vous ai mis un plan là de... Enfin, une restitution. Ça, c'est le temple de Louxor, ici, que vous avez là. Ça, c'est le Nil. Hein. C'est le temple de Louxor. Ça, c'est la grande allée de Sphinx qui arrive directement ici, vous savez, au temple de Karnak. Ça, c'est le grand temple de Karnak, hein, ici. Et là, le temple de Mout. Hein. Donc, voilà. Donc, à côté de ce temple, et dans ce temple, pardon, elle va se faire construire un palais, ici, mais elle va se faire construire le troisième pylône qui n'existe plus. Et elle va se faire construire, évidemment, bien d'autres monuments que nous allons voir maintenant. Elle va, évidemment, ériger deux obélisques entre le quatrième et cinquième pylône en granit rouge provenant d'Assouan. Alors, en voici un. Voici l'autre. Pour ceux qui sont allés à Karnak, vous vous souvenez, hein, je pense que tout ça, ça vous est... Alors, attention, hein, parce que méfiez-vous. Hein, ces deux obélisques ne sont pas toutes les deux d'Hatshepsut. Hein. Il y en a un seul qui soit debout d'Hatshepsut, l'autre est couché, il est ici, et l'autre, c'est celui de Thoutmès II. Hein. Alors, les deux obélisques en granit rouge provenant d'Assouan, dont les travaux d'extraction et de convoyage vers Thèbes furent confiés à Senenmout, je vous l'ai fait voir, hein, ce monsieur, hein, et décrit sur les reliefs du temple de Deir el-Bahari, mais pas seulement du temple de Deir el-Bahari, puisque nous avons la chance d'avoir retrouvé justement dans ce troisième pylône de la reine d'Hatshepsut, mais qui est en fin de compte après le pylône de Thoutmès III, eh bien, tout le texte nous décrivant, vous voyez ici, hein, toute l'histoire, si vous voulez, hein, de la taille de ces obélisques, de ces deux grands obélisques de granit, le transport et l'érection de ces obélisques dans le temple de Karnak, donc en face, devant le troisième pylône, hein, son père, hein, Amon. Voilà, donc ça, c'est un des blocs de la chapelle rouge que vous avez ici. Alors, évidemment, je ne vous fais pas voir des photos de la chapelle rouge. Vous savez qu'elle a été remontée, d'ailleurs, dernièrement. Mais je vous fais voir là un autre monument qui est peut-être un petit peu moins connu, mais qui est éminemment magnifique, beau, absolument extraordinaire aussi. C'est la chapelle blanche, la chapelle d'albâtre d'Hatshepsut. Car elle l'a construit énormément de choses, mais elle a construit cette extraordinaire chapelle d'albâtre que vous avez là. Alors, je vous en fais voir, vous voyez, alors là, pour prendre des photos, je vous assure que ce n'est pas facile, parce que vous savez qu'en Égypte, il y a beaucoup de soleil, hein, comme aujourd'hui ici, et vous voyez, là, c'est l'ombre de la gorge ici, mais tout ça, tout est gravé. Ici, vous avez un mine absolument extraordinaire, itifalique, là, c'est Hatshepsut devant. Hein. Pardon, excusez-moi, non, ce n'est pas Hatshepsut, justement. Là, vous avez Thoutmès III, ici, et Hatshepsut est derrière. Hein. Et là, vous avez Amon. Hein. Donc, vous voyez cette chapelle absolument fantastique. Voilà encore mine. Voilà encore. Vous voyez. Et c'est de l'albâtre. Hein. C'est tout est en albâtre. C'est d'une beauté à couper le souffle. C'est vraiment très très beau. En voici encore avec ici évidemment la barque sacrée, la barque processionnelle du dieu Amon. Hein. Là ici Hatshepsut en prière, évidemment devant la barque processionnelle. Et puis là encore d'autres. Là vous avez encore un mine. Là vous avez je ne sais quoi, mais en tous les cas vous avez des reliefs. C'est pas des reliefs, c'est de la gravure. Hein. C'est pas des reliefs. Hein. C'est de la gravure, uniquement de la gravure. C'est magnifique. Hein. C'est d'une finesse absolument extraordinaire. Alors, la chapelle rouge et la chapelle d'albâtre, qui sont donc, comme je vous l'ai dit, des reposards de la barque sacrée processionnelle d'Amon, nous savons aujourd'hui et de façon absolument certaine que les travaux de la chapelle rouge,
les blocs que je vous ai fait voir avant, hein, ont été supervisés par l'architecte en chef de la reine, Sedén Muth, encore, et qui plus est, fut achevé sur ordre de Thoutmès III, c'est-à-dire le petit garçon dont elle avait la charge. Dans les premières années de son règne personnel, Hatshepsut étant probablement décédée avant la fin de la construction de ce monument. Ceci encore, une fois, nous prouve que ces deux souverains eurent bel et bien un règne commun et non pas des règnes parallèles en but l'un envers l'autre. Vous ne savez pas, mais en tous les cas, la chapelle rouge vient d'être reconstruite entièrement par François Larcher, qui est le grand architecte du centre franco-égyptien de Karnak, et elle est maintenant entièrement visible. On peut la visiter maintenant, enfin. Parce que depuis que Chevrier l'a découverte en 1903 ou 1904, quelque chose comme ça, eh bien, les blocs étaient restés donc à l'extérieur du temple de Karnak, mais n'avaient jamais été remontés. Et ça y est, elle est enfin remontée. C'est un monument absolument extraordinaire. Elle fait remplacer le naos de Sésostris Ier, très ruiné, et le fait reconstruire en ébène. Voici la chapelle reposoire de Sésostris Ier, qui est, elle, remontée à Karnak depuis très longtemps, que l'on peut voir, que l'on peut visiter. C'est une chapelle absolument magnifique. Là, nous sommes au niveau de la 12e dynastie, hein, aux alentours de 2000 avant Jésus-Christ. Eh bien, le naos, qui était en bois, hein, a été complètement détruit. Et c'est encore Hatshepsut qui va reconstruire le naos et le replacer dans cette magnifique chapelle. À Louxor, elle va travailler aussi, bien entendu. Je vous ai fait voir que Louxor et Karnak étaient reliés. Eh bien, elle fait construire le triple reposoir des barques processionnelles d'Amon, Mout, Ronsou. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous avez, quand vous rentrez dans le temple de Louxor, vous avez l'obélisque, l'autre, vous savez qu'il est à Paris, hein, et lorsque vous rentrez, vous avez sur votre gauche ce petit édifice que vous avez là, qui est maintenant, évidemment, au nom de Ramsès II, hein, ce sont les cartouches de Ramsès II, mais, chose extraordinaire, ce n'est pas Ramsès II qui l'a construit, mais bien Hatshepsut. Et chose encore plus extraordinaire, c'est que cette chapelle reposoir des barques processionnelles d'Amon, Mout et Ronsou, eh bien, elle gênait la construction du pylône que vous avez vu devant, c'est-à-dire celui-ci. Elle gênait donc les architectes de Ramsès II. Mais la chapelle d'Hatshepsut était tellement importante, tellement divine, tellement intouchable, si vous voulez, que Ramsès II ne va pas la détruire, il va simplement se l'approprier, car tous les blocs ici sont de l'époque d'Hatshepsut, même les linteaux, même s'il a fait retailler les linteaux. Et Ramsès II va trouver la solution. Il va simplement désaxer le pylône par rapport au temple, et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous rentrez dans le temple de Louxor, vous avez non pas un axe absolument parfait par rapport à la porte, à l'entrée du temple, mais vous avez un axe brisé par rapport à la grande colonnade, la grande cour solaire de Thoutmès III. Donc voilà la raison pour laquelle donc le pylône et l'axe du temple de Louxor ont été, disons, un petit peu bousculés. Hein, mais c'est à cause de cette chapelle. Donc vous voyez l'importance que revêtait déjà, à cette époque, cette chapelle d'Hatshepsut. Alors, dans le sud de l'Égypte, eh bien, elle fait construire un temple à El Kab et elle fonde le domaine du temple de Sobek à Komombo. On a toujours l'impression que le temple de Komombo, il est là depuis l'époque ptolémaïque. Mais non, il y avait un temple bien antérieur. Et donc, l'un des premiers temples de Komombo, eh bien, c'est encore Hatshepsut qui va le construire. Elle restaure le temple de Satet à Éléphantine, dans l'île d'Éléphantine, donc à Assouan. La voici, Satet. Vous voyez, c'est une déesse absolument magnifique avec cette grande tiare que vous avez ici et ces magnifiques cornes de gazelle que vous avez là. Et là, vous voyez, vous avez la dépouille de vautour, hein, qui symbolise les déesses mères, les déesses qui sont capables d'enfanter.
Voilà encore un autre fragment avec ici Hatshepsut, hein, que vous avez là. Et ici, vous avez le dieu Amon, mais ce bloc provient lui aussi du temple de sa tête de éléphantine à Souan. Elle ne va pas s'arrêter là, puisqu'elle va aller construire jusqu'en Nubie. Vous vous rendez compte ? Et elle va faire construire un temple à Wadi Halfa, qui est la frontière entre le Soudan et l'Égypte, donc au sud d'Abou Simbel, hein, à 150-200 km au sud d'Abou Simbel. Mais le temple le plus extraordinaire qui nous soit connu et qui nous soit donné encore d'être vu, hein, et d'être visité, puisqu'il a été entièrement reconstruit au Musée national des Antiquités de Khartoum, donc au Soudan, eh bien, c'est le temple de Bouen. Le temple de Bouen, qui se trouvait à quelques kilomètres au sud de Wadi Halfa, donc en territoire soudanais maintenant, hein, Soudan du Nord, le voici, hein, reconstruit donc, dans ce que l'on appelle les garages, on appelle ça comme ça, hein, les garages du musée national de Khartoum, et voici donc l'entrée avec les colonnes, hein, les colonnes cannelées d'ailleurs, comme celles qu'on verra tout à l'heure pour Adher el-Bahri. Et ce temple est absolument magnifique, il a des coloris, pardon, Bouen. Bouhen, B-O-U-H-E-N. Mais je vais vous faire voir le nom en hiéroglyphe, ce sera plus simple. Ouais. Ouais. Ouais, c'est promis, hein, vous allez voir. Alors, voici donc le temple, les reliefs, ce qu'il en reste, hein, parce que malheureusement, il a été très, très abîmé. Mais il y a des coloris absolument fantastiques, absolument merveilleux. C'est vraiment un temple très, très beau. Heureusement qu'il a été sauvé des eaux, comme Moïse, normal, hein, pas évident, hein. Hein, et donc là, c'est notre reine Hatshepsut devant un Horus absolument magnifique. Voici encore d'autres reliefs. Vous voyez qu'il a été malheureusement rasé dans la partie supérieure, mais tous ces reliefs sont vraiment très très beaux, très lisibles, très très faciles à. Et c'est surtout les coloris qui sont voilà. Voilà. Quand je vous ai dit que, hein, voilà, Bouen, voilà, ça s'écrit comme ça, B-N-H avec le signe de la ville ici, et là nous avons affaire à l'Horus, maître de Bouen, et c'est sur le pagne de la reine Hatshepsut. Là, le pagne que vous avez ici, vous voyez le pagne comme ceci, hein, eh bien c'est le pagne de la reine Hatshepsut qui est là, puisque c'est elle quand même qui a décidé de construire ce temple à l'Horus de Bouen, et qui se trouve donc en Nubie, et qui se trouve maintenant donc au musée de Khartoum. Très très beau temple. Ah voilà, voilà encore. Là, elle nous dit, la reine, bon, je n'ai pas tout pris, mais c'était les hiéroglyphes qui m'intéressaient. Elle nous dit qu'elle est apparue sur le trône d'Horus, et puis là, comme Ré, hein, ici, ou comme Amon, je ne me souviens plus. En tous les cas, elle est apparue sur le trône d'Horus, hein, comme son père Amon. Donc, toujours dans le temple de Bouhème. Vous voyez la qualité des hiéroglyphes, hein, la qualité de la gravure, là, c'est absolument extraordinaire. Dans un temple absolument magnifique. Malheureusement, il faut aller au Soudan pour voir ça. Hein. Bon, c'est pas donné à tout le monde. Et bien entendu, celui que vous connaissez tous, c'est Deir el-Bahri. Alors là, Deir el-Bahri, nous savons aujourd'hui que grâce au nettoyage, aux fouilles et études des égyptologues et architectes polonais, que ce temple a été commencé non pas sous le règne d'Hatshepsut, mais sous le règne de son époux, Thoutmès II. Son époux. Et son frère en même temps. Ce temple fut dédié à Amon et au culte de leurs pères respectifs, c'est-à-dire Thoutmès Ier. Hein, facile, hein, premier, deuxième, troisième. Hein, ils ne sont pas creusés le ciboulot beaucoup. Là. Dès l'an 3 de sa corrégence, les mentions claires nous prouvent que cet édifice, qui sera appelé le Djeser Djeserou, c'est-à-dire le saint parmi les saints, fut entrepris. Nous connaissons même la date de son inauguration, c'est-à-dire le 16e jour du premier mois des moissons de l'an 3 des deux règnes, évidemment. Hein, je vous ai dit que c'était un règne commun. Corrégence, mais règne commun. Le chantier a été dirigé par l'intendant et architecte de la reine, que vous commencez à connaître bien, Selenmout. Selenmout, je ne vous ai pas dit ce que ça voulait dire, ça veut dire le frère de Mout, de la déesse Mout, hein, la parèdre d'Amon, hein, qui s'inspire du temple funéraire de Mantouhotep II,
Alors, je vous le ferai voir après. De la 11e dynastie. L'un des plus grands souverains égyptiens et le fondateur du Moyen Empire. Il fut d'ailleurs construit juste à côté de ce dernier édifice. Alors, je vous fais voir quelques photos du temple d'Hatshepsut. Hein, ça, je crois que vous connaissez. Hein. Évidemment, il y a toujours des touristes devant. Hein. On ne peut jamais prendre des photos sans qu'il y ait des personnes devant. C'est absolument pas... Vous voyez que cette photo-là, par exemple, elle est prise avant que les Polonais aient travaillé. Il n'y a pas le mur, là, le fameux mur que vous allez voir par la suite. Voilà, ça, ce sont des très, très anciennes photos. Voilà. Alors ça, c'est très, très intéressant aussi. C'est ce que Champollion a appelé les colonnes proto-doriques. Vous savez, les colonnes qui sont cannelées, hein, et non pas rondes. Hein. C'est Champollion qui les a nommées comme ça, proto-doriques. Hein. Alors, regardez ça, si c'est pas beau, ça. Malheureusement, cette photo-là a été prise dans les années 75-76. Et lorsque je suis retourné dans ce temple il y a un an, malheureusement, ce magnifique vautour que vous voyez là, il est pratiquement effacé. Pratiquement effacé. Vous rendez compte ? Alors, encore là, vous voyez, hein, c'est quand même extraordinaire. Ce sont des coloris absolument fantastiques. Hein, et c'est dans les années 76-80, ça. Hein, vous rendez compte ? Oui. Mais maintenant, on le cherche maintenant. Hein, il est vraiment dans l'angle, juste au-dessus de la frise du pays de Pound, là, de l'expédition du pays de Pound. C'est malheureux parce que c'était un... Alors voilà le temple de Mentkotep II, vous voyez, avec ses rampes et cette pyramide qui n'existe pas hein, chez Hatshepsut. Hein. Attention, la pyramide ici n'existe pas chez Hatshepsut. C'est une terrasse complètement plane. Hein. Donc le temple d'Aren Hatshepsut a été inspiré hein, de ce temple de Mentkotep II. Hein. Donc voilà, pour la petite histoire, ça. Hein. Alors, Selenmout, le voici encore, avec... Néferouré, hein, la petite princesse hein, que vous connaissez aussi très bien. Donc, peu à peu, Selenmout va prendre une place prépondérante dans le cours du règne d'Hatshepsut, au point que certains historiens pensent qu'il fut non seulement l'amant de la reine, mais encore le père de la princesse Néferouré. Ce qui est loin d'être prouvé. À l'heure actuelle, et au vu des connaissances des égyptologues et historiens, et au vu des connaissances que les égyptologues et historiens ont pu glaner sur cette relation. On ne sait absolument rien de ces relations avec la reine que certains ont imaginées aussi passionnées qu'illicites. Donc, les Christian Jacques et compagnie, hein, c'est bien gentil, mais il faut quand même raison garder. Voilà. Donc, ceci étant dit, le plan de ce monument, c'est-à-dire donc d'Al-Bari, ici encore, est unique dans toute l'histoire architecturale de l'Égypte pharaonique, même si elle s'est inspirée de son prédécesseur, Mentouhotep II. Nous avons dit que ce temple fut dédié à Amon et, pour conforter cette dédicace, Hatshepsut le fait orienter vers l'est, regardant en direction du temple de l'Amon de Karnak. Elle fera inscrire sur les murs de ce monument qu'il est comme un jardin pour mon père Amon. Et, en effet, de petits arbres et buissons bordaient l'esplanade et la rampe d'accès de ce monument. Les archéologues, en nettoyant ces surfaces, ont mis au jour les restes des troncs et des racines de ces arbres et arbustes, dont toutefois on n'est pas certain qu'ils furent ramenés de Pune et qu'il ait été les fameux arbres à encens rapportés à cette occasion, car les analyses n'ont pas révélé une essence, si vous voulez, d'arbres à encens ou quelque chose comme ça. Donc, il est certain que toute l'esplanade du temple d'Hatshepsut à Deir el-Bari était plantée d'arbres. Ça, c'est sûr, certain. On a les traces archéologiques, donc on peut pas le nier. Mais quelle essence, quel arbre ? Était-ce des arbres en sang ? Était-ce des palmiers, des bougainvilliers ? Enfin bon, je ne sais pas ce que vous trouvez. Non, on ne sait pas. Construit en calcaire blanc, et donc un calcaire très pur, il se développe sur trois terrasses précédées... Oh, ça, c'est autre chose.
précédées chacune de colonnades, dont certaines, comme je vous l'ai dit, protodoriques, que Champollion a nommées ainsi. La terrasse supérieure conduit au sanctuaire principal qui est, lui, creusé dans la falaise d'ébène. N'oubliez pas que c'est un temple funéraire. Attention, c'est un temple funéraire. Aux extrémités de la terrasse intermédiaire, des chapelles sont vouées au culte d'Hathor au sud et d'Anubis au nord. Nous sommes dans un temple funéraire, donc ne l'oubliez pas malgré les apparences. Le temple de Deir el-Bahri est capital pour comprendre le déroulement politique de cette reine égyptienne. Ses murs, totalement recouverts de reliefs peints, nous relatent en effet tout son cursus. Alors, entre autres, il y a le temple de Deir el-Bahri, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi les fameux blocs de la chapelle rouge qui nous relatent tous ses faits et gestes. Donc on est bien renseigné, vous voyez, sur cette reine. C'est pour ça que quand on écrit des choses un petit peu bizarres et étranges, ça nous irrite un petit peu le chevelu. Hein, on va dire ça comme ça. C'est grâce à ces derniers que nous savons qu'en l'an 7, toujours du règne conjoint des deux, elle prend avec ses conseillers, ministres et grands prêtres d'Amon, la décision de se faire couronner pharaon en l'an 7. L'événement aura lieu le jour de l'an, le premier du mois d'Aret, c'est-à-dire un jour particulièrement faste pour l'Égypte ancienne, car c'est le premier jour de l'inondation, donc la renaissance fertilisante du pays des deux terres. Et en fin de compte, elle s'approprie, si vous voulez, cette fertilisation hein, et cette nourriture qu'elle va donner à son peuple et à l'Égypte. Après avoir été acclamé par la cour, devant laquelle le roi, Thoutmès Ier, son père, la couronne personnellement. C'est bizarre, ça. Hein, c'est curieux, ça. Hein, ah ouais, ouais, c'est bizarre. Hein, ça vous interpelle quand même, ça. Hein, c'est son père, Thoutmès Ier, qui la couronne personnellement. Mais ça, c'est sur les blocs d'Hatshepsut, c'est sur les blocs des temples. Hein, et ça, en fin de compte, hein, ça, c'est ce que nous montrent donc les reliefs de son temple de Deir el-Bahri, alors que son père est décédé depuis 7 à 8 ans. C'est peut-être ce qu'on appelle la propagande politicienne. Hein, peut-être bien, hein, vous voyez. Alors, c'est en cette... c'est parce qu'elle avait besoin de se rattacher hein, personnellement à son papa. Hein. C'est en cette occasion que la reine affirme sa nouvelle qualité en se servant d'une titulature royale pensée et établie afin de renforcer sa propre légitimité royale de lignée divine. Et c'est la raison pour laquelle elle se fait couronner par son propre papa qui est mort il y a longtemps. Alors, son nom d'Horus est féminisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, et elle s'appelle celle dont les cas sont puissantes, sont puissantes. Hein, et pas puissant. Son nom de roi de Haute et de Basse-Égypte, c'est Maat Karé, Maat est le cas de Ré. Maat, c'est une déesse, hein, c'est pas un dieu, c'est une déesse. Son nom de naissance, Hatshepsut, est augmenté de l'épithète Renemen Imen, c'est-à-dire celle qui s'unit à Amon de manière perpétuelle. Il doit être fatigué quand même à la fin de... Alors, tout ça, nous le savons aussi grâce à des textes et des reliefs. Et pour renforcer d'autant sa légitimité au trône, elle fait sculpter sur la paroi nord de la terrasse intermédiaire de Deir el-Bahri les reliefs connus sous le nom de reliefs de la naissance. Et voilà. Vous voyez, les reliefs de la naissance, les voici. Vous avez ici Hatshepsut. Vous voyez, là voilà, ici. Vous avez le dieu Khnoum. Le dieu potier, c'est la tour de potier, ça. Et là, vous avez la déesse Eket, la déesse grenouille, qui insuffle la vie hein, à cette reine qui va devenir divine, qui va devenir de pharaon, mais divine. Alors, dans lesquels Amon, ayant pris l'apparence de son père, Thoutmès Ier, donc, tu vois, rend visite à la jeune reine Yarkmès II, sa maman, pour concevoir l'héritier au trône d'Égypte, Hatshepsut. À proximité de cette scène, ici encore une première dans l'histoire de l'ancienne Égypte, se trouvent les divinités présidant à sa naissance. Le dieu Khnoum, donc comme je vous ai dit, hein, maître de la première cataracte, et celui qui façonne avec le limon du Nil sur son tour de potier les hommes et leurs cas,
et Lorba, la déesse grenouille et Kett, hein, et bien entendu les fameuses sept Hathor. Voilà encore, là, vous voyez, hein, le dieu Gnoum, Amon, là ici, et Kett, la petite Hatshepsut, et puis là encore, Gnoum qui est en train de façonner avec le limon du Nil, hein, l'image de la reine. Là, ici, un magnifique, toujours Gnoum, toujours là, notre Hatshepsut. Ici, Thoth, qui est en train d'inscrire les années de règne sur sa palme de palmier, ici. Et là, regardez, vous avez... Alors, faites attention, parce que ici, ce n'est pas du tout Isis, comme on pourrait le croire, mais c'est Hathor, son nom est marqué là, c'est Hathor, la déesse nourricière, hein, que Hatshepsut vénérait d'une façon très, très particulière, qui donne la première tétée, donc, à l'enfant divin qui vient d'être créé et admis par les dieux. Hein. Là, c'est des textes absolument magnifiques. Et, bien entendu, elle va être placée dans son berceau, dans le Mamizi, donc des temples, et à ce moment-là, les sept Hathor, c'est-à-dire les sept bonnes fées, hein, qu'on connaît dans tous les contes, vont se pencher sur son berceau pour la protéger durant sa petite enfance. Et l'ensemble des dieux de l'Égypte confirmera unanimement, évidemment, ça va de soi, le choix du futur pharaon par Amon. Vous ne pouvez pas faire autrement, hein, ce n'est pas possible. C'est alors qu'elle se fait représenter, et seulement à ce moment-là, donc, quand elle devient reine, d'une façon absolument authentique, qu'elle se fait représenter pour la première fois sous les traits de Sphinx. Et ceci aussi est une première dans l'histoire du Nouvel Empire et de la 18e dynastie, car aucun pharaon avant elle n'avait osé, si vous voulez, se faire représenter en sphinx au Nouvel Empire. Je parle bien, attention, hein, je ne parle pas du sphinx de Giza et des sphinx Issos et compagnie. Mais au niveau de la 18e dynastie, c'est la première reine qui se fasse, enfin le premier roi, le premier pharaon, qui se fasse représenter sous la forme de sphinx. Celui-ci, vous le connaissez, c'est celui qui est à Memphis. Hein, oui, à Memphis. Celui-ci, il est un petit peu plus féminin, si vous voulez, vous voyez. Et il est au musée du Caire, celui-ci. Et il y a encore des traces de couleur bleue absolument magnifiques. Hein, et celui-ci est au musée du Caire. Et je vous en fais voir deux autres là, qui se trouvent à Rome. Hein, vous voyez, c'est le marqué là, hein, Sphinx di Hatshepsut. Ils sont au musée gréco-romain de Rome, ces deux-ci. Hein. Donc, voilà. Tout converge donc ici pour montrer que la nature de la reine est divine, puisque conçue par Amon même pour être roi. Par conséquent, la reine est alors représentée avec tous les attributs de la royauté pharaonique, y compris la barbe postiche. Et là, on voit bien, hein, vous voyez, hein. Non seulement elle a sa crinière de lion, vous voyez ici, mais elle a aussi la barbe postiche. Hein, donc, on peut dire la femme à barbe, quoi, en fait. C'est par ce subterfuge qu'Hatshepsut affirme son pouvoir légitime. N'oublions pas qu'elle est toutefois fille de roi et de reine en ligne directe et que donc tout ce cinéma n'était dans l'absolu pas nécessaire à sa légitimité puisqu'elle était légitime de fait. Hein, donc Hatshepsut affirme son pouvoir légitime de son père Thoutmesse Ier. À cette époque, d'ailleurs, toujours très honoré par l'ensemble du peuple égyptien, car Thoutmesse Ier, je ne vous l'ai pas dit, mais a été divinisé lui aussi, hein, puisque c'est un des premiers pharaons qui est continué, si vous voulez, à redresser l'Égypte après cette période absolument noire de la période Hyksos. Hein. Donc, il a été divinisé lui aussi. Alors, on ne peut pas parler de la reine Hatshepsut sans parler de ses expéditions. Et la plus extraordinaire, c'est évidemment l'expédition au pays de Punt, que tout le monde connaît. Nous le redisons une fois encore, aucune expédition de caractère militaire ne nous est connue durant le règne d'Hatshepsut. Aucune. Par contre, des expéditions à but commercial ou d'exploration, oui. L'expédition de Punt se situe en l'an 9 de la Corégence. Elle fut conduite par
Néhézy, le général en chef des armées de la reine Hatshepsut, et qui était en plus responsable du trésor de la reine. Alors, voici donc Néhézy, que vous avez là, c'est lui, hein, qui est avec ses troupes et qui est sur le point de partir en expédition. Ceci, c'est un relief du temple de Deir al-Bahari, hein, encore. Hein. Et qui est donc prêt à partir pour le pays de Punt. Et si vous voulez savoir comment s'écrit en égyptien le pays de Punt, et bien le voilà. P-Unt. Punt. Voilà. Et ici, le déterminatif des pays étrangers. Étrangers à l'Égypte, bien sûr. Hein. Punt. Voilà. Donc, c'est bien le général Néhézy qui, avec ses troupes, va emmener donc, vers le pays de Punt ses soldats. Et voici une reconstitution d'un des bateaux de la reine Hatshepsut que je vais vous... Voilà, on voit là. Alors ça, ce sont des reliefs qui ont été pris il y a très très longtemps. Hein, c'est Nabil qui avait pris ça en 1800 et des brouettes, quelque chose comme ça, 1887 ou 88. Et donc ce sont des calques qui ont été faites directement sur les reliefs du temple d'Hatshepsut de Deir al-Bahari. Hein. Donc en voici encore d'autres. Là, vous voyez, vous avez... tout le texte, bien entendu, le texte qui malheureusement aujourd'hui est très 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 mal en point aussi, hein, et heureusement qu'on a ces calques, hein, qui nous sont conservés, et donc vous voyez là, ce sont toutes les denrées qui ont été cherchées au pays de Punt, même, vous voyez, des arbres, hein, comme je vous disais tout à l'heure, hein, des arbres en sang ici, vous avez des singes, vous avez des bovins, vous avez un peu de tout, vous avez tout un tas de denrées, des amphores, plein de choses qui sont allées chercher là-bas. Des arbres, bien sûr, hein, vous voyez. Et puis, alors, ce qui est formidable, c'est que vous avez le compte. Vous avez non seulement le nom de ces arbres que vous avez là, c'est l'arbre Mérou, ici, hein, et vous avez la comptabilité. Hein. Là, c'est l'or, ici, et là, c'est l'argent, vous voyez. Là, c'est Mesdet, c'est une pierre précieuse. Hein. Donc, vous voyez, tout est écrit. Hein, et puis, voici la fameuse reine du pays de Punt, hein, la fameuse reine qui est donc décrite hein, comme ceci dans le temple d'Hatshepsut. Mais on peut quand même se poser la question, où se situe donc ce fameux pays de Punt? Alors là, voilà. Je vous ai mis une carte, parce que là, on va en avoir besoin. Nous sommes certains que ce pays était connu des Égyptiens dès l'Ancien Empire, c'est-à-dire autour de 2500 avant Jésus-Christ, puisque ce nom géographique est inscrit sur la pierre de Palerme, relatant les expéditions du pharaon Saouré, 5e dynastie, vers 2500 avant Jésus-Christ, vers cette région, donc ce pays de Punt. Donc, il est connu des Égyptiens depuis pratiquement l'aube de la civilisation pharaonique. Les plus anciens explorateurs du pays de Punt qui nous soient permis de connaître de toute l'histoire pharaonique, à ce jour, bien entendu, est un certain Ur-Djebba, qui vécut justement durant cette 5e dynastie sous le règne d'un pharaon que vous ne connaissez peut-être pas très bien, mais enfin qui s'appelle Djedkare-Isesi. Cette exploration semble avoir été faite en bateau, déjà. Il ramena de cette contrée, entre parenthèses, des pygmées, c'est-à-dire des personnages de petite taille, en tous les cas. Peut-être pas des pygmées, mais en tous les cas, des personnages de petite taille, pour offrir au palais de Pharaon, afin qu'ils agrémentent la vie quotidienne par leur danse, qui semble avoir été très prisée à cette époque par les Égyptiens. Cet explorateur des contrées du Sud sera imité quelques décennies plus tard par les princes d'Éléphantine, Irkouf, qui, lui, gagnera ce pays, mais par voie de terre. Et il y retournera 6 fois par voie de terre, sous le règne de Pépi II, hein, de la 6e dynastie, qui lui aussi rapportera en Égypte ces fameux petits bonhommes de taille, enfin, dits pygmées. Alors, voilà Assouan, ici. Donc, si Irkouf est allé par voie de terre, il y est allé comme ceci, parce qu'on sait que c'est au sud. Les autres ne pouvaient y aller qu'en prenant le Wadi Hammamat, ici, et longeant les côtes
pouvoir s'arrêter quelque part par là. Et actuellement, on pense que tout ce pays de Pound, en fin de compte, serait toute cette région qui se trouve ici, là, au nord du Soudan, dépassant un petit peu même sur l'Égypte, enfin, la frontière de l'Égypte actuelle, donc dans toute cette région-là, puisque nous savons que, en plus, que Irkouf va s'arrêter à Kerma, Kerma qui se trouve à peu près ici, Kerma qui était la capitale de cet immense royaume que vous aviez ici, hein, en Nubie, et c'était Kerma qui, en fin de compte, donnait le blanc-seing à ses explorateurs pour pouvoir se rendre dans cette contrée, qui était une contrée absolument richissime à l'époque, parce qu'il y avait de l'or, évidemment. Car toute cette région-là était, en fin de compte, une région aurifère très importante, mais il n'y avait pas que de l'or, il y avait du bétail, il y avait, enfin, c'était une région très très riche. Et dès l'Ancien Empire, les Égyptiens ont lorgné, en quelque sorte, hein, sur toute cette région, et ils avaient donc deux possibilités, soit longer les côtes de la mer Rouge et accéder comme ceci, soit longer le Nil, ou le remonter carrément, hein, et partir de Kerma et arriver dans toute cette région-ci, hein, qui leur permettait d'accéder à ces richesses absolument extraordinaires. Mais vous savez qu'il y avait non seulement l'or, il y avait l'argent, il y avait tout un tas de métaux absolument nécessaires à la vie quotidienne d'Égypte. Il y avait aussi des pierres précieuses et semi-précieuses. Il y avait du métal, il y avait des animaux, il y avait des peaux, il y avait des plumes d'autruche, il y avait enfin bon, tout un tas de choses. Il y avait énormément de bovins aussi. On sait que toute cette région, hein, on sait que toute cette région-là était immensément verte, alors que maintenant, si vous y allez, c'est le sable, le sable, le sable, le sable, le sable, encore le sable et toujours le sable. Hein, il n'y a plus rien. Hein. C'est le désert total, hein, ici. Et alors qu'à cette époque-là, elle était très verte et très, très luxuriante. C'est comme ça, c'est la désertification. Je n'ai pas besoin de vous parler de ça. Vous connaissez très bien. Or, si d'Assouan, on peut gagner cette région en longeant les rives du Nil, et si les bateaux peuvent longer la côte africaine de la mer Rouge pour s'y rendre, ce pays de Pound ne peut alors se situer qu'entre le Nil soudanais et la côte est de ce continent. C'est aujourd'hui ce que pense la plus grande majorité des égyptologues et historiens de l'Antiquité. Donc, vous replacez ça. Au Moyen Empire, les témoignages deviennent plus abondants. Des expéditions traversent le Wadi Hammamat, ce que je vous ai fait voir, hein, c'est cette région-là, là, Wadi Hammamat, c'est ça, hein, pour venir s'embarquer au port de Wadi Gazous ou celui de Marsa Gazaoui, c'est-à-dire deux ports qui se trouvent un au nord, l'autre au sud, et pour faire voir vers Pound. De ce pays des dieux, comme les Égyptiens l'appelaient, les Égyptiens allaient non seulement chercher des nains, enfin des nains, entre guillemets, hein, pour danser dans les palais de Pharaon et agrémenter ses journées, mais aussi et surtout, et là je cite un texte de l'époque d'Hatshepsut, de l'or dont les lingots sont en forme d'anneaux, hein, et non pas en forme de briques, si vous voulez, enfin de... Hein, de l'ébène en grume et d'autres bois rares, des pierres précieuses, des sacs d'antimoine, des pots, des girafes, des babouins, des guépards, des bœufs, des arcs, bien sûr, et bien d'autres choses, notamment celles qui sont contenues dans les nombreux coffres que je vous ai fait voir qui étaient embarqués sur les bateaux. Jamais, sans doute, une importation aussi massive de produits africains n'avait eu lieu jusque-là en Égypte. Hatshepsut est si heureuse de cette réussite qu'au moment où l'on pèse l'encens pour Amon, elle s'en occupe personnellement de ses propres mains, au point d'en avoir le corps tout couvert, d'être parfumé comme un dieu. Son parfum, dit-elle, c'est Pound. Est-ce d'avoir semblablement brassé l'or qu'elle a la peau toute dorée et qu'elle scintille comme le font les étoiles. En voici le texte original. Le roi en personne, le roi de Haute et de Basse-Égypte, Maat Kare, saisit le boisseau d'électrum et le tend, étend le bras vers le sommet des tas. C'est la première fois que l'on a le bonheur de mesurer la myrrhe fraîche pour Amon, seigneur des trônes des deux terres, seigneur du ciel, la meilleure de toute la récolte, merveille rapportée du pays de Pound. Sa majesté elle-même passe de ses mains
la mire sur tout son corps et son odeur devient un effluve divin. Son parfum se mêle à celui de Poun, sa peau est recouverte d'électrum, brillante comme le sont les étoiles à l'intérieur de la cour des fêtes, en présence du pays tout entier. Toute la population fait des acclamations et adresse des louanges au Seigneur des dieux. Donc, vous voyez un peu l'emphase que Hatshepsut a pu mettre dans cette expédition de Poun. Alors, je vous fais voir quelques photos, Assouan, vous connaissez. Voici le tombeau d'Irkouf, le fameux Irkouf qui est allé donc se balader à la 6e dynastie, pardon, donc au pays de Poun. Le voici sur la façade de son tombeau. Le voici encore, là, ici, avec son fils d'ailleurs. Son fils qui prendra la relève d'ailleurs. Le fils d'Irkouf va lui aussi être envoyé en expédition au pays de Poun, après le décès de son papa. Donc, ça, c'est tous les textes nous le décrivent ici, c'est vraiment très, très important. Voici d'autres expéditions vers l'est de l'Égypte. Eh bien, c'est simplement au Wadi Hammamat, dont je vous ai fait voir plusieurs fois l'endroit, pour aller y prélever diverses roches précieuses et semi-précieuses, telles par exemple que la Groak, qui est un genre de schiste, par exemple, la serpentine, la stéatite. Et là, dans cette vallée, dans ce wadi, qui va donc du Nil jusqu'à la mer Rouge, il y a des carrières dans tous les sens, dans tous les coins. Et là, je fais exprès, évidemment, de vous mettre ce cartouche, puisque ce n'est autre que le cartouche de Toutmès III, ici. Donc, le wadi Hammamat. Alors, voici encore d'autres reliefs du Wadi Hammamat. Bon, au Wadi Hammamat, il y en a des milliers, des milliers, des milliers, des scènes comme ça, tout gravé sur les rochers, qui nous relatent justement toutes ces expéditions qui ont été menées, là encore, depuis l'Ancien Empire jusqu'à la fin de l'époque romaine. Le Wadi Hammamat, c'est là un peu flou, c'était la suite de... Tiens, regardez, vous voyez, c'est pris un peu tardivement, et donc, voilà. Alors... Il ne va pas y avoir que ça, puisqu'elle va aussi envoyer des expéditions au Sinaï, à Serabit El Radim. Voici la mer Rouge, Rodeher, ici, la mer Rouge est là, et il faut s'acheminer pour aller jusqu'ici, dans les mines, parce que là, ce ne sont plus des carrières, ce sont des boyaux, véritablement des boyaux, des mines enterrées, où il faut aller chercher le cuivre et la turquoise. Et donc, alors je vous fais voir le Sinaï, c'est très accueillant. Là aussi, c'est un désert absolument total, mais c'est d'une beauté à couper le souffle. Le Sinaï, c'est extraordinaire. C'est beau, 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 comme il n'est pas permis. Ça, c'est un wadi dans lequel on pérégrine pour monter jusqu'en haut de la colline, tout en haut, là-haut. Mais il n'y a pas de téléphérique, je vous le dis tout de suite. Pour accéder au fameux temple d'Hathor de Serabit El Radim, là où se trouvaient les mines de turquoise et de cuivre. Et ils allaient donc chercher les mines de turquoise et de cuivre. Et ce temple est dédié évidemment à la déesse Hathor. Vous avez là, vous voyez, je vais vous la faire voir. Il est absolument... Alors ça aussi, ce sont de très anciennes photos. Et maintenant, le temple a été... entièrement restauré, entièrement nettoyé, et il est quand même beaucoup plus beau. Voici une magnifique déesse Hathor là que vous avez là dans le temple. Voilà une stèle, une des stèles, parce que il y en a des centaines et des centaines et des centaines, des stèles comme ceci. Voilà le fond du temple avec là encore une petite chapelle Spéos dédiée à Sobdou et à Ptah, au dieu Ptah. Ptah, c'est le patron des carriers, le patron des orfèvres. Donc, voilà, la chapelle. Et ça, c'est autre chose. Donc les expéditions à Serabit El Radim, et nous savons que la reine Hatshepsut en a expédié, c'est le cas de le dire, un très grand nombre. Et au Sinaï, justement, c'est là, c'est très intéressant, parce que c'est à Serabit El Radim que l'on relève la dernière mention faisant référence au règne de la reine. En l'an 20 des règnes conjoints, donc,
sur la stèle du scribe Nart. Et c'est, pour la petite histoire, si vous voulez noter, c'est la stèle numéro 180 de 181 de la Serabit Enralim. Et voici la stèle. Vous avez ici Maat Kare, Hatshepsut. Devant, ici, un dieu que vous ne connaissez pas, mais enfin, bon, c'est Inershu, hein, c'est un dieu particulier là-bas. Et ici, vous avez la déesse Hathor. Et regardez, ce qui est extraordinaire, c'est que d'un côté, vous avez Hatshepsut, et de l'autre côté, vous avez encore Toutmès-3. Ici, hein, Menreperre, c'est Toutmès-3. Et ce qui est intéressant, c'est que là, nous avons la date, l'an 20 du règne de la reine d'Hatshepsut que vous avez ici. Et cette stèle est très, très importante parce qu'elle nous confirme. Alors, la voici un petit peu plus élaborée. Vous voyez, c'est toujours la même. Mais là, vous avez le texte. Hein, le scribe Nart, hein, il dit. Hein, bon, puis la suite. Bon, on va pas, je ne suis pas là pour traduire les stèles. Hein, enfin, donc, ça, cette stèle est très, très importante par sa date que vous avez ici, l'an 20, et c'est à Serabit el-Radim qu'on trouve la dernière mention, si vous voulez, du règne de corrégence de la reine Hatshepsut et de Toutmès-3. Mais cette date est confirmée, et nous avons une chance absolument extraordinaire, c'est Jean-Philippe Loher qui l'a découverte à Saqqara, car cette date nous est confirmée par un graffito situé dans le complexe funéraire de la pyramide à 2 degrés de Djéser à Saqqara. Donc, nous sommes absolument certains qu'au moment après l'an 20, de toute façon, Hatshepsut ne règne plus, hein, et c'est son beau-fils, hein, puisque c'était sa tante, hein, qui va prendre le pouvoir de façon personnelle. Nous avons deux textes là qui nous le confirment d'une façon absolument probante. Elle va évidemment envoyer des expéditions vers la Nubie, puisqu'elle va faire exploiter les mines d'or du Wadi Al-Aki et les carrières d'améthyste de Wadi El-Houdi, qui se trouve à quelques kilomètres à l'ouest d'Abou Simbel, hein, au sud d'Assouan, pour sa statuaire et ses obélisques, entre autres. À l'ouest d'Abou Simbel, oh là, qu'est-ce qui s'est passé là ? Voilà. À l'ouest d'Abou Simbel, eh bien, elle va faire exploiter les carrières du Djebel el-Asr, qui se trouve à côté de Toshka. C'est là où part le fameux canal qu'ils veulent raccorder, vous savez, pour rejoindre les oasis égyptiennes, pour avoir de l'eau dans les oasis en Égypte. Et elle fait rouvrir les carrières de diorite, que avait ouvertes un pharaon que vous connaissez très bien de la 4e dynastie, puisque ce n'est autre que notre pharaon Roufou. Celui que vous appelez Khéops, vous savez, là, hein, pas beau, hein, Khéops, hein, c'est grec. Hein, pas beau, hein. Voilà, donc vous voyez qu'elle a travaillé, hein, cette reine. Alors, la fin de la vie de la reine Hatshepsut, eh ben, Hatshepsut meurt vers 1457-1458, et après, sa fille Néferhouré et son favori Senenmout. En l'an 22, donc vous voyez, l'an 22 du règne de Toutmès-3, hein. À partir de cette date, Toutmès-3 règne seul, mais continue le compute normal des dates de règne, comme si la reine n'avait en fait jamais régné et qu'il n'y eut jamais eu de corrégence. Donc, vous voyez, ça continue comme si elle n'avait jamais régné. Nous savons que la reine s'était fait construire deux tombeaux. S'est fait construire deux tombeaux. Le premier, en tant que reine et épouse de Toutmès-2, qui fut aménagé dans un wadi situé à l'ouest de la vallée des rois, le wadi Siket Taket Zaïd, à vos souhaits. Et je vous en fais voir la photo. La voici. L'entrée de la tombe, ce n'est pas ça, hein. C'est ça, là-haut. C'est là-haut. Hein ? Oui, oui. Il faut grimper là-haut. Hein. Alors, attendez. Elle fut aménagée en ce lieu sous la surveillance et le contrôle d'Ineni, dont je vous ai déjà parlé, le fameux général et compagnie, grand architecte de tous les travaux de Pharaon, responsable du double grenier d'Amon, chancelier du domaine divin, etc., etc., parce qu'il avait des titres à n'en plus finir. L'entrée de cette tombe se situe à 72 mètres au-dessus du niveau du sol. Il ne faut pas y tomber, là-haut. Hein. Taillée dans la falaise Thébaïde, elle fut découverte fortuitement par les habitants de la région de la rive ouest de Thèbes en 1916.
elle fut étudiée par Howard Carter, celui qui a découvert le tombeau de Toutankhamon. Hein? Dans des conditions très difficiles, plusieurs ouvriers s'évanouissant par manque d'air à l'intérieur des galeries de la chambre funéraire. Cette tombe, qui abrite toujours le sarcophage en quartzite, quartzite blanche, au nom de la reine, est vide, totalement vide. Il n'y a que le sarcophage qui est là. Tout le reste, il n'y a rien d'autre. Il n'a, semble-t-il, jamais été utilisé, ainsi que la tombe d'ailleurs. Donc elle s'est faite construire une tombe à 72 mètres en haut dans la falaise. On y a introduit le magnifique sarcophage en quartzite. Vous savez que le quartzite, c'est ce que vous appelez l'albâtre, hein, l'albâtre égyptien. En quartzite blanche, absolument magnifique, hein, mais il n'a rien à servir. La deuxième tombe a été creusée, elle, dans la vallée des rois. Eh, noblesse oblige. Le vizir et grand prêtre d'Amon, Apu Seneb, dont je vous avais voir là, au début, hein, les statues, fut chargé d'en superviser les travaux d'aménagement. Elle se situe à l'angle est de cette célèbre vallée des rois, au pied de la colline, et porte actuellement le numéro 20 de la vallée des rois. La chambre funéraire contenait deux sarcophages en quartzite jaune, l'un au nom de Toutmès Ier, donc son papa, l'autre au nom de la reine elle-même. Ces deux sarcophages sont aujourd'hui partagés par les musées du Caire et le musée de Boston. Ici encore, la tombe fut dégagée et étudiée par Carter en 1903. Vous voyez, on dit toujours Carter, c'est Toutankhamon, Carter, c'est Toutankhamon. Non, Carter, il a fait bien d'autres choses et il a étudié bien d'autres choses. Et je vous fais voir donc ces magnifiques sarcophages. Celui-ci est au musée de Boston. Hein, ça, c'est celui d'Hatshepsut, bien entendu. Je ne vous fais pas voir celui de tout. Voilà, ça, c'est Boston. Le musée, c'est le sarcophage de la reine Hatshepsut de Boston. Par contre, celui-ci, c'est celui qui est au musée du Caire. C'est la partie qui est au musée du Caire. Et voici la momie. Le couvercle de la... sachez aussi que cette tombe dans la vallée des rois fut sans doute la toute première à avoir été creusée dans la vallée des rois. Dans la vallée des rois, là, pour un roi, pour un pharaon, c'est Hatshepsut qui a fait construire la première tombe dans la vallée des rois. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Alors, la momie. La momie découverte dans la tombe KV, dans la vallée des rois 20, n'a jamais été formellement identifiée. Et, pour certains, la momie de femme trouvée dans la tombe K21, tombe qui appartient à la nourrice de la reine, serait en fait celle d'Hatshepsut, elle-même, et non pas celle de la nourrice. Bien des points d'interrogation restent donc en suspens quant à l'identité des différentes dépouilles humaines que l'on veut attribuer à Hatshepsut. Quant à la fameuse dent, soi-disant de la reine, découverte dans un petit coffret marqué à son nom dans les réserves du musée du Caire par Zayawas en 2007, elle fait rire l'ensemble du monde de l'égyptologie sérieuse et scientifique. Rien ne permet, en effet, scientifiquement parlant et en l'état actuel de la recherche, d'avancer avec certitude que cette momie, dépouillée de tout attribut royal, si ce n'est un bras plié sur la poitrine, et que ce soit une momie féminine, que cette momie, donc, soit celle de notre reine Hatshepsut. En outre, quand on connaît le sérieux du rangement du bric-à-brac poussiéreux des réserves de ce musée du Caire, on peut émettre en effet de grands doutes quant à l'attribution de cette seule dent à la mâchoire royale. Il faudrait donc bien d'autres études sérieuses pour attribuer à cette reine Hatshepsut, à cette dent à Hatshepsut, et faire de cette pauvre momie la sienne. Bizarre quand même que Zayawas n'ait pas pensé aux analyses ADN, comme pour Toutankhamon et sa famille. En conclusion, je dirais que ce n'est que qu'en l'an 42 du règne de Toutmès III que l'on commence à relever la destruction de son nom sur les monuments de la reine. En l'an 42, non pas l'an 22, l'an 42, 20 ans plus tard. Mais attention, son nom ne sera supprimé que dans ses représentations officielles et dans celles mentionnant son nom de roi, c'est-à-dire de couronnement. Hatshepsut continuera à être citée comme épouse divine et grande épouse royale.
Le bannissement d'Hatchepsout ne se réfère donc pas à sa personne, mais à son rôle de souverain masculin. C'est pour ceci qu'elle ne figure ni au canon royal de Turin, ni dans les listes de la table des rois d'Abylos, et seulement pour cela. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu plus sur cette reine extraordinaire qui a travaillé énormément, mais qui n'a pas travaillé pour elle, en fin de compte. Elle a travaillé pour son petit roi, qu'elle avait la garde, et pour son peuple. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, et je vous retrouve dans 15 jours, je crois. Voilà, pour une autre reine, puisque ce sera Cléopâtre.